Écoutez Koé, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Si jamais tu trouves ça cool, tu t'en fous, c'est pas grave, tu vas me dire laissez passer. Je laisse passer. Si jamais ça te plaît pas, tu vas dire là je vais m'en occuper. Okay. Imagine si quelqu'un te chope dans la rue, il te dit que tu rappes moins bien que Tony Parker. Ouf, laissez passer. Ah ouais. Oh, t'es seigneur, toi. Ouais. Ça t'énervera deux secondes quand même, mais bon. Si tu vois un mec en train d'uriner sur ta voiture. Je vais m'en occuper. Ouais, ça c'est un truc. Ah, c'est moi m'en occuper. Ah, ça c'est des trucs. Faut pas toucher les voitures. Hein. Vous savez, nous, ça les arrive gar... jamais, ça en général. Tu trouves toujours sur la piste ou sur la rayure. Ouais, nous les garçons, ouais. On a pas grand chose qui nous intéresse. On a les montres. Ouais, c'est vrai. Et voitures. Et voitures. On a pas beaucoup de trucs. Mais... Et la bouffe un peu ou pas? Non, on s'en fout. Et les meufs? Oh, si, ils ont piqué une frite. Personne pique sur ta meuf. Ah oui, non. Je préfère qu'on raye ma meuf que ma voiture. Hein. Il est capable. Oui, d'ailleurs, tu dis, mais non, il est là à donner un coup de clé. Si une fille vient te réclamer des droits parce qu'elle s'appelle Bella. Ah oui. Elle dit, vous avez fait une chanson, je m'appelle Bella, c'est pour moi, je veux de l'argent. Aïe. Il a pas pensé à ça. Je vais m'en occuper. Si Macassi veut faire des bisous dans ton cou. Tout doucement. Avec son gros physique. C'est vrai que c'est hallucinant, lui. Macassi, je l'adore. Je sais pas si tu l'as rencontré, non? Non, j'ai pas rencontré. Alors, moi, Macassi, je le trouve extraordinaire. Ouais. C'est le mec qui a le physique qui ne va pas du tout avec sa voix. Il est ultra baraque. Il est baraque, il arrive, il dit salut, ça va, machin et tout. Et d'un seul coup, et tout, comme ça. Et il fait des bisous. Et il fait des bisous tout dans son cou. Ça va pas du tout. Il y a un truc qui on lui a dit, hein, d'ailleurs, la fois, on l'a vu, mais bon. Si la marque Lu. T'appelles et te disent qu'il veut sortir les maîtres Pimps. Laissez passer. Ah bah alors dis pas ça parce qu'ils vont le faire. Si un petit dit qu'il est fan de toi et que sa chanson préférée c'est Madame Pavoshko. Laissez passer. Oh, ça a déjà dû arriver, j'imagine. Ah, on m'a déjà appelé Black M. Bon, c'est rare, mais. Ouais, ça peut arriver. Oh, mais les gens ils mélangent tout. Oui. Oh, bon. Tiens, il y a des questions dans le public avant qu'on se fasse le titre en live. Bonjour, qui? J'ai pas le prénom. Michael. Ça va, Michael? Lève-toi, Michael. Tout à l'heure, vas-y. C'est un vrai gars du public ou c'est. Ah non, il y a que des mecs. Il y a pas de mecs. Vous êtes fort, vous. Dans notre équipe, ils sont moins laids que lui. Ils sont mortels, laisse tomber. Vas-y, mon pote. Alors, j'ai deux questions pour Maître Gims. La première, c'est le clash avec Joey Star. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il critique souvent la section. Il fait beaucoup de clash avec lui. Il a mis une vanne sur les réseaux sociaux, ça. Ouais, il a remis une vanne. Même une fois, il était sur scène, il a dit c'est pas un public de la section d'Assosa. Et après, j'ai vu, il y en a quelques-uns qui sont. Ah, Didier, il est pas tout le temps content. Il est. Ouais, souvent, il est souvent pas content. Didier. D'où cette grosse voix. D'où cette grosse voix. Après, bon, on m'a remonté l'info sur le machin, sur ce qu'il a balancé sur Instagram. C'est Pedji qu'il a mis sur son Snapchat. Ouais, ça a mis 6 mois à remonter parce qu'il a déjà, il a pas beaucoup de followers. Donc, c'est. Moi, je trouve ça. J'arrive pas à être énervé en fait. J'aimerais être fâché et clasher Didier, mais j'arrive pas. Parce que je trouve que je sais même pas quoi lui dire en fait. Je sais pas. Ta question, elle est intéressante, hein, mais bon, moi, j'arrive pas en fait à. J'arrive pas à argumenter sur. On lui enverra Macassi, lui fera des bisous. On lui enverra Macassi. Je suis